a exposé dans plus de 200 villes à travers le monde. Donc elle a prouvé déjà depuis une dizaine d'années tout l'impact qu'elle avait. Et on a eu des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, qui sont venues dire à quel point ça les avait aidés à changer, à évoluer, et pour certains à accepter leur enfant, leur famille. Et c'est une exposition qu'on ressent, c'est une exposition qu'on est supposé avoir de manière complètement intuitive. En montrant justement la réalité, ce que vous faites, c'est que vous enlevez les peurs qui sont juste nées sur le fait d'un manque total de connaissances. Et donc vous créez, vous dites voilà, en fait c'est juste la même chose que ce que vous vivez. On arrête avec vos peurs complètement irrationnelles. On est en train de parler de droits basiques, humains. Et en fait je pense que les sujets comme le féminisme, les sujets comme le racisme, comme l'antisémitisme, comme l'homophobie, comme la transphobie, c'est des sujets qui doivent tous nous animer.